Alors, du coup, on se retrouve en fait pour notre dernière partie concernant la création monétaire. Et en fait, ce dernier point, bah, c'est ce qui correspondra le plus à notre système. C'est ce qui correspond en fait à notre système monétaire actuel. Donc très rapidement, hein, on a vu que précédemment qu'on était obligé d'avoir plusieurs banques, étant donné l'ambivalence de la monnaie qui est à la fois bien collectif et bien privé, mais qu'à partir du moment où on avait plusieurs banques, on était obligé du coup d'avoir une banque d'un rang supérieur. Cette banque d'un rang supérieur a pour but de régler les échanges monétaires que l'on a forcément dans un circuit avec plusieurs banques. D'accord? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que du coup, en fait, c'est vrai qu'on va avoir, ça ressemble, les deux sont de l'euro, hein, mais on va avoir en fait deux types de monnaie. On va avoir la monnaie qui est émise par mes banques de second rang, ma banque A et ma banque B. On va appeler ça monnaie BSR, d'accord? Monnaie banque de second rang. Et on va avoir la monnaie émise par ma banque centrale, qu'on va appeler monnaie centrale ou monnaie banque centrale. Et c'est en monnaie banque centrale qu'on va effectuer les règlements entre mes banques de second rang. C'est ce qu'on appelle les fuites interbancaires ou mes opérations de refinancement ou le refinancement bancaire. D'accord? Alors, hop, si on revient ici. Donc, non, c'est pas le mieux. Hop, on fait un contrôle H. Voilà. Si on revient ici, en fait, on va du coup adapter notre modèle. Alors, on est d'accord qu'en fait, déjà, premier point, bah, ça, on n'a plus, on n'y touche plus. D'accord? Pourquoi? Eux ne sont pas concernés, mes agents non financiers ne sont pas concernés par ces problèmes de banquier, problème de banquier là, pas au sens ironique du terme, c'est effectivement des problèmes au niveau des banques, d'accord? Donc, ils ne sont plus concernés. Alors, et donc, on va passer d'un modèle avec toujours plusieurs banques, ça ne change pas, mais c'est un modèle avec plusieurs banques et une banque centrale. Modèle avec plusieurs banques et une banque centrale. D'accord? Alors, hop, vous excuserez, je vais vous demander 2 minutes. Je vais juste descendre un petit peu ça pour que ce soit plus clair. Hop, je reviens dans 2 minutes. Alors, on reprend du coup. Vous voyez, j'ai juste modifié, j'ai juste baissé un petit peu ça, refait mon petit schéma, pour qu'on puisse faire du coup apparaître mon nouvel acteur qui est en fait ma banque centrale. Donc ici, ça va être mon bilan de ma banque centrale. Hop, ma banque centrale. Donc ma banque centrale, comme les autres, elle va avoir un actif et un passif. D'accord? Et en fait, on va marquer les... En fait, comprenez que ce qu'on avait comme relation tout à l'heure, mes agents non financiers et ma banque, et ben là, en fait, c'est quasiment équivalence. Ici, ça va devenir mes agents non financiers et eux, la banque. Et la banque centrale, leur banque. D'accord? Alors, du coup, on a dit que donc A doit 40 000 à B. Donc, agents, mes banques, hein, de la même façon que mes agents non financiers avaient un compte courant, bon, eh bien, mes agents
mes banques, excusez-moi, vont avoir un compte courant auprès de mes banques centrales. Alors, du coup, excusez-moi, comment va se passer cette transaction? Bon, eh bien, de la même façon que mes agents non financiers précédemment s'endettaient auprès des banques, ici, ma banque A va avoir besoin de s'endetter auprès de ma banque centrale, d'accord? Alors, au passage, petite modification, à la fin de mon cycle de refinancement, quand on a fait le solde des différentes fuites interbancaires, des différentes opérations de refinancement, eh bien, on constate que A doit à B 40 000 euros. Donc, petite modification, hein, si ça vous va, je le fais de cette façon-là pour pas rajouter, parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en fait, ici, on a une créance sur B qui est de 10 000 euros, et ici il y a une dette sur dette envers A qui est de 10 000 euros, d'accord? Donc si on solde les choses, hein, si on solde les choses pour le faire de cette façon là, et eh bien ici je vais avoir 40 000 euros, hein, et, mais on pourrait, mais c'est, l'idée c'est de ne pas en rajouter, 40 000 euros et 40 000 euros, d'accord? Du coup, en fait, chaque banque de second rang va avoir un compte à ma banque centrale. D'accord ? On va appeler ça, et sur ce compte, comme on avait précédemment notre compte courant, hein, eh bien, chaque banque va avoir un compte, un avoir en monnaie centrale. Donc, je vous rappelle que notre compte courant, c'est donc ce qui est à notre actif, si vous souvenez, c'était du passif. Donc, ici aussi, on va avoir le dépôt de ma BSR A, ok, et on aura aussi le dépôt BSRB. Ok ? Alors, on va le faire en deux temps. On va le faire en deux temps. Donc, pour bien illustrer les choses, ça, je vais le renoter, mais après. D'accord ? Mais il y est. Mais je veux que ce soit bien clair. Donc, ma banque A, d'accord ? Et, qu'on soit bien d'accord, ici, on est uniquement... On échange uniquement en monnaie centrale. D'accord ? On échange uniquement en monnaie centrale ici. Donc, en fonction des besoins de refinancement, chaque banque est conduite du coup à demander à ma banque centrale de la monnaie centrale. Donc, en fonction des besoins de refinancement de certaines banques centrales, ma banque centrale est conduite à alimenter leur compte en monnaie centrale. C'est là aussi de la création monétaire ex nihilo, mais au rang au-dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ma banque A va se refinancer auprès de la banque centrale à hauteur de 40 000 euros, mais 40 000 euros monnaie banque centrale. D'accord ? Alors, on va dire, dans ce cas-là, là, pour la banque centrale, on va appeler ça un concours. Concours à ma banque de second rang A de 40 000 euros, d'accord ? Mais mes euros, banque centrale. Donc, du coup, comme précédemment, ça, c'est l'équivalent, pour faire l'analogie, c'est l'équivalent de ça, d'accord ? Vous vous souvenez, si vous regardez la toute première vidéo, quand ils demandent un crédit, hein, pour la banque, hein, on transpose, donc lui, il
monétise la créance, d'accord? Et du coup, sur son dépôt à vue, il reçoit les 100, enfin, il est 100 000 euros. J'ai effacé tout à l'heure mon ANF1. Donc, 40 000 euros ici. D'accord? Alors, comment ça s'inscrit au niveau de ma banque A? Bah, en fait, ma banque A, vous vous souvenez, ça me donnait chez mon ANF1 mon compte courant. Et du coup, il avait 100 000 euros pour. Bah, du coup, ma banque A va avoir 40 000 euros pour, mais 40 000 euros en monnaie centrale. Donc, avoir en monnaie centrale, de 40 000 euros. OK? Il y a un avoir en monnaie centrale de 40 000 euros. Du coup, il va pouvoir régler la dette qu'il a. Hein? On n'oublie pas qu'il a cette dette-là. Et il va enfin pouvoir la régler. Donc, comment ça va se passer? Le paiement de cette dette. Bah, tout simplement, la dette qu'a contractée ma banque A vis-à-vis de la banque centrale, elle reste. Mais il va donc payer, donc sur dépôt BSR B, d'accord? Il va donc payer les 40 000 euros. Donc on est bien d'accord qu'ici, ces 40 000 euros, une fois qu'il les a réglés, n'existent plus. Ils sont de zéro. D'accord? Faites bien la distinction, hein. Là, on passe à l'étape d'après. Si vous voulez... Ouais, non, bon, je laisse comme ça. Du coup, on est d'accord qu'il supprimera aussi. Il n'a plus ses 40 000 euros. Mais il a aussi, évidemment, supprimé sa dette. OK? Pour ma banque B, on va avoir du coup sur son excusez-moi, sur son compte courant au niveau de ma banque centrale plus 40 000 euros. Donc elle va donc avoir un avoir en monnaie centrale de 40 000. OK. Et on est bien d'accord que du coup, vu qu'elle a son avoir en monnaie centrale de 40 000, eh bien la créance qu'elle détenait sur ma banque B disparaît. OK? Donc vous voyez, en fait, finalement, si vous avez compris, on va dire, la deuxième vidéo, bah, ça n'est que... Alors, les noms changent. C'est vrai que les noms changent. Avoir en monnaie centrale, dépôt, etc. Ok. Mais finalement, en fait, ce n'est que la transposition de ce qu'on a fait précédemment à une banque centrale. Et donc, mes banques de second rang, mes BSR, banques de second rang, deviennent du coup mes agents non financiers précédemment. Et ma banque centrale tient le rôle des banques dans ce qu'on a vu précédemment. Je veux dire ça par rapport au pourquoi ici le dépôt est au passif. Bah, de la même façon que les dépôts étaient au passif pour mes agents non financiers. Pour mes banques lorsqu'elles jouent leur rôle avec des agents non financiers. D'accord? Voilà. Reprenez les choses. L'idée, effectivement, et c'est pour ça que je le fais de cette façon-là, c'est d'inscrire les choses au fur et à mesure, parce que si on veut tout inscrire d'un coup, on n'y arrivera pas et ce sera problématique. Alors, du coup, hop, si on revient un petit peu à donc ma banque, hein, c'est ce qu'on vient de voir ici.
Donc là, j'ai rajouté par rapport au passage, j'explique juste que j'ai rajouté par rapport à ça le petit moment où on voit le règlement, d'accord, là, le règlement ici, là, qui n'est pas, que vous n'avez pas ici, hein. Ici, ça s'arrête en gros là. Voilà. Alors, donc, oui, vous ne trouverez pas là-dedans vous ne trouverez pas là-dedans, excusez-moi, la dernière partie, c'est-à-dire ça et ça, d'accord? Mais c'est pas problématique, c'est juste on est allé un tout petit peu plus loin. Du coup, on va terminer cette partie sur la création monétaire. Alors, on verra, pas totalement terminée, hein, parce qu'après, du coup, notre grand 2, c'est les contreparties à cette création monétaire, par un schéma qui résume un petit peu ce qu'on a dit précédemment. Alors, hop, la qualité n'est pas forcément dingue. Donc, la création monétaire et le refinancement. Ici, on comprend du coup, donc là c'était mes agents non financiers. Vous voyez bien qu'en fait mes agents non financiers n'ont affaire, ne traitent qu'avec mes banques A et mes banques B, c'est-à-dire mes banques de second rang. D'accord? Ils n'ont pas, eux, de compte au niveau de ma banque centrale. Alors, ils interagissent avec mes banques de second rang. Donc, ici, ma création monétaire, c'est de la création monétaire qui est effectuée par mes banques de second rang. D'accord? Et c'est donc de la monnaie banque centrale, non, banque de second rang. Banque de second rang, excusez-moi, je reprends tout de suite. C'est donc de la monnaie banque de second rang qui circule entre ses agents et qui circule entre guillemets, qui va et qui du coup est amené à circuler entre ses banques. Parce que ces fuites interbancaires, on l'a vu, c'est parce que Monsieur 3 est à la banque B alors que Monsieur 1 était à la banque A. D'accord? Donc c'est par l'intermédiaire de ces fuites interbancaires qu'on a besoin de ma banque centrale. Alors, je fais et volontairement, je zappe volontairement cette partie-là et je l'amène après. Du coup, ici, on est dans mon refinancement bancaire, d'accord? Donc, de la création monétaire issue de ma banque centrale. Et on a donc ici une émission de monnaie centrale. Monnaie centrale qui va me permettre mes règlements interbancaires. Ok? Vous voyez bien que mes agents non financiers n'ont pas accès à cette strate-là, ce refinancement bancaire, le refinancement bancaire, donc la création de monnaie centrale par ma banque centrale. D'accord? Mais, et on va le voir par la suite, mais il n'y a pas que enfin, les banques de second rang doivent faire appel à la banque centrale, mais pas uniquement à cause des fuites interbancaires. Elles doivent faire appel à la banque centrale aussi lorsqu'elles ont besoin de monnaie fiduciaire. D'accord? Là, on est dans de la monnaie scripturale. Mais dans ma masse monétaire, elle est composée énormément de monnaie scripturale, mais aussi de monnaie fiduciaire. Et ma monnaie fiduciaire, elle n'est produite que par ma banque centrale. D'accord? Alors, ma banque centrale, en fait, il faut bien différencier la monnaie banque centrale. C'est à la fois ma monnaie fiduciaire, c'est-à-dire mes pièces et mes billets. Et ça, c'est la partie de la monnaie banque centrale que l'on touche, nous, agents non financiers. Mais ma monnaie banque centrale, c'est aussi ma monnaie centrale interbancaire, c'est-à-dire, pour le dire un peu différemment, ma monnaie banque centrale scripturale. D'accord? Ça, c'est ce qui est sur les livres de compte. Mais les livres de compte au niveau de ma banque centrale. Donc, une monnaie
particulière, ça fait partie de ma monnaie banque centrale. D'accord? La monnaie banque centrale est composée de ma monnaie fiduciaire que je touche entre guillemets moi en tant que particulier et de la monnaie centrale interbancaire qui est la monnaie scripturale au niveau de ma banque centrale. Voilà, on en a terminé avec cette partie sur la création monétaire. On va donc ensuite voir les contreparties à cette création monétaire. Je vous remercie.